reçois, Yellow Leader. Affirme pour qui je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Hey, tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Ah non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de truc bizarre, ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de truc qui provoque des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Joss? Salut! Hey, dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Bah zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Bah si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Ben oui, t'es gentille, mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Ben oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ben, ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut, Gino. Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'y a plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentil, mia cara, mais je voulais un orchestre plus majestuoso. Une grappe entière, pas seulement deux petits raisins. Bon, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre tzigane. Génial. Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi... Sans doute Lucien, peut-être l'ancien, et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera ça, moi. Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Hey! Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas. On m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare. Tu vas voir, il est super cool. Bon, ben ok, merci, à plus tard. Salut, Dédé Rock'n'Roller. Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oh, oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby. Oh non, je me marie dans 2 heures. Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Un stick, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable. Un stick, ça a un stick. Un stick, ça a un stick. Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, 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 ça, je sais. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative?
Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h. Il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file. Travaillez bien. Attention. 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais, c'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es. J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est ok pour bazar total? Ah non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais bazar total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprit, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les Belles Mirabelles. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe, ça aussi, peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll, ici je me taille. Ok, ben si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise sonde, mauvaise sonde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Nickel. On tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah, continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben, non. Je suis désolée, Gino. Mais ne sois pas désolée. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accordo, Lou? D'accordo. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, Astic. Merci, super, Astic. Super, Astic, disparaissez, bande de tâches. C'est complètement nul! Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans! Hé, restez poli! Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub! Tant mieux pour vous! Mais moi, je refuse ce film! Et voilà! C'est vraiment sympa, cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Je me suis acheté un tambourin. Je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver. Ça doit être simple à trouver. L'accord. Joss, bonne nouvelle. Le client a tellement détesté ton film.
film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao. Mais quel truc bizarre à la fin? Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou, je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma boîte crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. Là. Il s'appelle votre groupe. Bazar total. Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Ta-da! Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Eh, hey, salut, Joss. Bonjour, tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Maud s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein? C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Ben, aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, car ma grande passion, c'est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh, que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan.
Eh ben d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah, tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Hein? Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relaxe et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux! Ça s'est pas du tout passé comme ça! On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf! On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! Ben, j'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue, s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Hein? Pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui? Qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan! Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser. Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Ben, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hey, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance, au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, ben, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, je... Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super! Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref, Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Bah, ok, d'accord.
ça m'arrange. Il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacé physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit: non. Moi, cruelle, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine, mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir aspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillée à côté de Tristan, Solène, enfin ils se sont... Bah, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. À l'aide! Il faut lui faire du bouffe à bouffe! Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. Oh. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit, on en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure, le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Ben, ça aurait pu être pire. Tu parles? Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps, hein. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Bah, j'aurais d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi, toi, tu vois la vie du bon côté. Tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi, je suis complètement à l'ouest tout le temps. J'aimerais tellement être forte comme toi, ma louloute.
Ben, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Pantalon. Dans une boutique super tendance, top classe, chez Frims quoi. Parfait. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse, pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 boulou. Continue, tu peux le faire. Je te déteste. Je te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision, la vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel, avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah, hé Lou, on se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait. Complètement grotesque, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution, ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de... de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félis Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes.
En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre bronne de nuit fait comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti, encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir.
On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Les franges! Ouais, trop ringard! Complètement grotesque! Super, Lou! Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Waouh, c'est bien dit, ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle. Chef-d'œuvre. Salut! Waouh! Et c'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout! Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande à chier. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi, il fait une fête chez Gino. Ah! Mais oui! Maintenant que tu le dis! La fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Bene, entrez, ne restez pas à la porta. Ciao, Gino. Hey! Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Tiens, bon anniversaire. Sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Déa. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté, dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche.
comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi, enfin chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Écoute, tu peux pas laisser tomber. Tu as fait un pacte avec ta mère. C'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, allez. Je, en fait... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tristan, joyeux anniversaire. Et ça va, elle était toute pâle. Du miel, une goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi, je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. M'énerve. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Ben si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Eh ben, si. Bon ben, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends, tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose? Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'aie rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que... Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Bah si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour Arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade, je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladro. Quoi? Répète, j'entends rien. Tout va me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Je ne te dérange pas trop? Bof, non. Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! T'en voilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hé! Ben,
alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Richard, je voulais te dire... Pardon, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi, toi d'abord. Ben voilà, je... Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbe va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Déclarer des sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut! Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? De l'humour, c'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que j'y réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle. Là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plombs pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en.
pendant tout le film, on voit que les méchants. Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, 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 c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Oh. Königs is Richt Downtron Elfmat. Ah, la chorégraphie, la chorégraphie, la chorégraphie. Hey, Jill, tu pourrais nous expliquer le truc là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais hey, Jill, attends. Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsuzé Kayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papy aussi intelligent, tu ne trouves pas? Ben, si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes, mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein. Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignose d'un garçon du collège sur internet. Oui, du coup tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais si... Enfin, tu vas voir. Hey, mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça, c'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur internet. C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte, Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'il faut pas flipper. Tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Hé, hey, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenue une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, je te signale. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le faux business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan, je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles. Je me cache dans des poubelles. Je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison, l'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine. Effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison, ils se marrent tous parce qu'il se passe les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevelle. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val des Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevelle, Richard. Stop, départ. Bonjour, Madame Chion. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chion. C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo.
Gilles, on vient de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé. J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillé. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change. C'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. Hein? C'est une vidéo qui donne la frite. Oh. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désapilant, il faut que vous voyez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois, c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par deux? Mais cette fois, ce sera différent. Tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi, on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo. Il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que sinon, tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Bon, je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser, vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, Splash comme au d'air. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Comme au retour, Splash comme au d'air. Comme au retour. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisse, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouvez? Vous le faites exprès ou quoi? Euh...
Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? Vie travaille. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des quatre coins du monde. Hmm? La vidéo la plus sympa de la semaine? J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de trois clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir comment elle s'appelle, cette danse? La Ziltonique. Allez les filles, tout le monde en place.